Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, on passe à Mohamed Deni. Alors Mohamed Deni, moi, je voyais sa chaîne qui apparaissait souvent en suggestion, mais j'avais pas envie de cliquer dessus parce que le mec avait l'air énervé et moi, ça me dit rien de regarder des gens qui sont en train de crier. Comme l'autre, je crois c'est Bonjour Tristesse. Et puis un jour, je vois une miniature où il a l'air content et tout ça, ça devait être pour une victoire d'équipe de France, je sais plus. Donc je clique. Bon, déjà, je me suis fait avoir parce qu'il a quand même crié. Mais je vous avoue que je me suis bien marré. Vraiment, je me suis bien marré. J'ai donc du coup, j'ai commencé à regarder d'autres vidéos de sa chaîne où j'ai continué à bien me marrer et j'ai compris deux choses. La première, c'est que Mohamed Henni, c'est un fan qui parle. Il joue le rôle d'un fan qui est en chacun de nous et qu'on ne montre pas parce que voilà, on peut pas casser des télés, ça nous coûterait trop cher et on serait interné quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que même si on cassera pas notre télé, le fait de voir Mohamed Henni en train de casser des télés, c'est libérateur d'une certaine façon. Et en jouant ce rôle, ça nous permet un peu d'évacuer nos frustrations. La seconde, c'est que Mohamed Henni, tu comprends très vite que c'est un humoriste. Il est très drôle. Vraiment, il est super, il est vraiment très drôle. Il y a quelques gimmicks qui reviennent souvent. Franchement, il est super drôle. Et le truc aussi, c'est que tu sais pas ce qu'il pense en fait. Parce qu'il est tout le temps dans l'humour. Ce qui fait que moi, je prendrais jamais au sérieux ce qu'il dit. Parce qu'en fait, il est tout le temps en train de plaisanter. À part Valère Germain, parce que voilà, il force, tu vois. Mais pour le reste, c'est très compliqué. On sait pas ce qu'il pense parce qu'il est toujours dans l'humour, quoi. Donc je crois qu'il y a des vidéos où il y a des interviews de lui où tu peux en savoir un petit peu plus, où il est un peu plus sérieux, tout ça. Voilà, si tu as envie d'en savoir plus, tu peux les regarder et voilà, t'en sauras plus. Après, voilà, Mohamed Henni, c'est plus pour rire et décompresser tranquille. Franchement, tu passes un bon moment. Moi, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Je vous assure, vous allez passer un bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de sa chaîne. Et on enchaîne avec le suivant, c'est Talk My Football. A tout de suite.